Salut les amis, c'est Arnaud, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Ça fait super longtemps. C'est du Roblox. Les amis, enfin du Roblox. Ça fait super longtemps. Faut que je me réhabitue. Donc bah là, c'est un autre compte, hein, parce que vous le savez bien, j'avais pas un skin comme ceci. Et donc, j'ai pris tout simplement un autre compte, il faut bien, puisqu'en fait, ce jeu... J'avais essayé de le tester pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça peut être pas mal pour une vidéo YouTube? Donc, le jeu, c'est tout simplement Noob Factory Simulator. Et c'est un jeu, je l'ai trouvé bien quand je l'ai testé. Donc, je me suis dit, allez, on va faire une petite série YouTube sur ce jeu. Et le but est simple, il faut avoir les meilleurs noobles possibles. Je vais vous expliquer tout ça mieux. Donc... Pour commencer le tutoriel, ils me disent d'appuyer ici. Et là, des noobs spawn. Donc là, un armurier, ce qui augmente les points de vie. Et là, l'entraîneur qui augmente les attaques. Et donc là, des enchantes, c'est pas très intéressant. Et là, ils choisissent, ça va, et c'est poubelle. Il y a beaucoup de... Il y a, comme vous le savez, souvent, il y a ensuite, il y aura... Commun, rare. Donc là, nous avons tout simplement 3 noobs. Donc nous allons cliquer dessus pour les récupérer. Et regardez, nous avons les petits noobs qui nous suivent. Ici, c'est l'usine. On peut améliorer tout ça. Et ça va être bien pratique pour avoir des meilleurs noobs. Donc là, j'en ai des meilleurs que les pourris moins. Je le prends un poubelle plus. Ouais, c'est pas encore ça. Et là, nous avons un commun, donc nous allons mettre le prochain pourri. Et nous avons une très bonne équipe. Ensuite, on peut se téléporter dans la forêt. Première zone, et on peut hop, envoyer nos noobs sur d'autres noobs, en fait. Ils tapent leurs confrères. Je sais, c'est pas très sympa. Mais on gagne de l'argent, et bien sûr, on peut en gagner aussi si on reste à notre base, puisque les noobs... On peut récupérer se vendent automatiquement au bout de 20 secondes. Et ah, voici quelqu'un. Bonjour. Et donc du coup, on récupère tout ça et là on est riche. Et avec cet argent, on va pouvoir améliorer un peu ici. Est-ce que je vais avoir accès? Voilà, j'ai mis x10, ça sera plus rapide. Normalement, on aura des meilleurs noobs. Nous allons rentrer à la maison, retour à la maison. Nous avons un commun, effectivement. Un commun plus. Nous allons pouvoir reposer celui-là pour prendre celui-là. Et là, nous avons un rare. Il est bleu. Ouais, il est beaucoup plus fort que les autres. Et donc, bah, moi, je me suis arrêtée quand j'ai eu un rare. Donc bah, là, je vais découvrir comme vous, si vous ne connaissez pas le jeu. On va voir si on va en avoir des meilleurs que les rares. Ça serait bien. Ce sera peut-être un rare, non, un commun plus. Donc, le poubelle, je vais pouvoir le reposer. Parce que le poubelle, je ne vais pas le garder tout le temps. Hop, je vais prendre celui-là. Et donc, là, soit on attend, soit on va aller voir les noobs. Et c'est ce que je vais faire pour récupérer de l'argent. Alors, je viens de me rendre compte, en fait, ça fait un peu bizarre d'avoir un skin comme ça. Je suis habituée à avoir un bon skin, pas un bacon. Voilà, bacon, c'est le skin de base. C'est celui-là, tout simplement. Donc bah là on va continuer, on va s'attaquer à un plus fort parce que tout à l'heure on avait pris un petit qui est là-bas, par là-bas derrière. Et voilà, notre équipe est meilleure. Hein. Ça se voit là, il a même été plus rapide que le petit. Et oh, on a pas mal d'argent, on va pouvoir améliorer tout ça. Je vais en tuer un autre. Tuer c'est pas le nom exact, enfin si un peu. Ça se trouve on lui vole juste son goûter et un... Non, parce que en fait, il disparaît. Ça se trouve, il s'enfuit, en fait. Mais après, il a plus de vie, donc c'est un peu bizarre. Bon, non, 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 je veux pas l'attaquer. Bon, s'ils veulent que je l'attaque. Allez. Et voilà. On a pas mal d'argent, on va pouvoir améliorer notre usine, juste ici. Hop. Est-ce qu'on va avoir assez pour tout améliorer? Ah, et non. Et non, malheureusement. Allez, c'est parti, on retourne à la maison. Et nous avons un peu ordinaire. Vite, vite, il va disparaître. Hop. Faut l'échanger, en fait. Ah. Je crois que c'est bon, là. Non, je l'ai eu.
Mais non, j'en pose un autre. Non, faut que j'en pose. Voilà. Bah voilà. C'est quoi là-bas? Ascenseur. J'ai pas été voir ça. Débloque au niveau 5. Ah, j'ai amélioré attaque. Oh, c'est pour améliorer. Nounou, bah, oh, c'est stylé. Bah, on va bientôt être niveau 5. Est-ce que je vois? On est niveau 4. Allez. On va l'être. J'ai trop envie de tester. Ça a l'air trop bien. Oui. Donc, on va mettre celui-là, par exemple. Et si je m'améliore attaque. Ah ouais, il est passé à 7. Oh, c'est trop bien. Ah oh bah je vais le laisser là. Et là on va faire le tour. On va regarder ce qu'il y a. C'est quoi ici? Il y a une porte. Donjon infini. Il y a un coffre. Dans 5 jours. Ah oui. Dans 23 minutes. Je sais pas ce que c'est. Et là. Oh, il y a des rares. J'en prends un. Ouh, lui, il était bon. Fais voir le prochain, non? Vite, vite. Je repose lui parce que là, il a l'air bien. Ouh, oui, il a pas mal d'attaques. Ça va être utile. Ici, c'est pour stocker des doubles, j'ai l'impression. Oui. Ça, c'est quoi? Fois. Hein, fois. Je sais pas ce que c'est, ça. Ça, c'est différents noobs. On peut avoir d'autres noobs. Ok, mais par contre, pourquoi x1, x... Je sais pas. Et ici, la salle de sport, c'est pour les améliorer aussi. Ah non, il y a un logo médical, c'est pour redonner de la vie. Mais pourquoi ça s'appelle salle de sport alors? Gemme gratuite, vraiment? Ah oui, j'ai eu 25 gemmes. Ah, c'est bien. Et là, ça coûte cher, c'est des boosts. Oh, il est devenu épique, moins. Ah oui, c'est bien amélioré. Ah, c'est bien ça. Je vais arrêter d'ascensionner, comme ils disent. Et je vais aller reposer un peu ordinaire. Hop. Au pire, il y a marqué valorisation d'amélioration. Donc du coup, bah, on va essayer avant de vendre celui-là. Si je mets là, ça va augmenter la valeur. Non, échoué. Ça n'a pas marché? Ah, c'est que ça fait au hasard. Ah ouais, ça a augmenté. Ah bon, on va le laisser là, comme ça, quand on va le vendre, on aura plein d'argent. Oh, il y a des rares. On va aller voir tout ça. Oh, what? Wow, ils sont cheatés. Oh. Ah, bon bah, voilà. Et je pense que là, je vais me faire une petite équipe et on se retrouve pour essayer d'aller battre le boss. Donc les amis, on va aller voir. J'ai attendu à peu près 5-10 minutes. Et nous allons aller... Déjà, il est devenu rare. Ah, on peut améliorer avec l'argent. x11. Ok, bon, bah, je m'attendais à mieux. Mais c'est déjà ça. Ah oui, je peux pas le récupérer. Bon, bah, je vais faire améliorer celui-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai des nouveaux noobs qui sont un peu mieux. Et donc, là, je pense qu'on va pouvoir essayer d'aller battre le boss. Je vais retourner chercher le petit noob qui est là-bas. Est-ce qu'il s'est amélioré entre-temps? Ah bah oui. Ah oui, il a bien amélioré. Oh oui, encore. Ah bah c'est bien, c'est bien. Non, ok. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller battre le boss. Donc, ah oui, mais on peut se TP par là. Oui, parce qu'il y a aussi un portail là-bas pour se TP. Et donc, il est là-bas. J'arrive. Ok. Ah, on peut attaquer pendant l'animation. Allez. Ah, il y a des zones rouges. Oh, c'est quoi cette jaune blanche? Ah, ça devait faire des dégâts peut-être, je sais pas. Et donc, on va ouvrir les coffres. Ouh, plein d'argent. Ah. Ah, bah c'est payant. Bon après, juste pour de l'argent.
Hop. Et donc, faut prendre le portail là-bas. Bon, bah, le boss, il était facile, hein. On va pas se le cacher. Et donc, normalement, on peut acheter la prochaine zone. Fais voir ces noobs. Oh, il est mignon, lui. Donc, sur ce, on va aller voir à la maison. Ok, on a pas mal d'argent. On va un peu améliorer tout ça. Ah oui, j'ai vraiment pas assez d'argent. On va voir s'il y a des Nubiens. Ok, c'est pas très intéressant pour l'instant. On va peut-être mettre un noob là-bas. Je pense qu'on peut mettre lui pour qu'il ait plus de points d'armure. Donc 2 points de vie. J'ai pas grand-chose d'intéressant là-bas. J'ai des communs et des peu communs. Je peux pas avoir mieux? Ouh, lui, il a l'air bien. C'est un rare plus. Ouais, il est pas mal. Bon, je vais remplacer par l'autre qui est là-bas. Ah, il s'est amélioré. Lequel on garde? Ouais, c'est. Ouais, il est bien, lui. Bon, bah, je sais pas lequel. Oh, il est devenu épique! Bon. Bah, je pense on va s'arrêter là pour le premier épisode. On a déjà fait pas mal de choses et on ira explorer la prochaine zone, faire le prochain boss et avoir des noobs encore plus puissants dans le prochain épisode. Donc sur ce, je vous invite à aller le voir et pour ne pas le rater, vous pouvez tout simplement vous abonner. Ça me ferait très plaisir puisqu'on approche des 300 abonnés. Après, c'est dans encore un peu de temps. Et vous pourrez me dire, est-ce qu'on garde le épique moins ou le rare plus. Ciao les amis, à la prochaine.